l'heure est grave. Nous vivons des heures bien sombres. Cela fait maintenant plusieurs vidéos que dans les commentaires, ça ne parle que d'une chose. C'est quoi ton espèce de tatouage en dessous du bras? Qui avait choisi un tatouage sur le bras au début de la vidéo? Bah alors Squeezie comme ça dans un tatouage. Depuis quand il a un tatouage sur mon bras droit? C'est quoi ce tatouage? Il a un tatouage, je suis seulement remarqué un tatouage sur le bras de Squeezie. Squeezie un tatouage? Oui, j'ai un putain de tatouage et vous êtes nombreux à pas arrêter d'en parler depuis plusieurs jours alors que moi-même j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je me sens trahi. Je pensais que vous la regardiez les vidéos. MDR, tous les gens qui sont choqués pour le tatouage. Oh, moi je dis tes abonnés, je te trahisse un peu en regardant une vidéo sur deux. Sois fier, Lucas, sois fier de te faire regarder. Parce qu'apparemment, il y a des abonnés qui sont infidèles. Montrez-vous là, les infidèles, hein? Ouais. Effectivement, je me suis fait tatouer en Colombie et j'ai fait un vlog d'ailleurs à mon retour. Et ce passage là sur le tatouage est d'ailleurs dans le vlog. Et surtout, aujourd'hui, il est l'heure de se faire tatouer. Sur ces 4 putains de millions de vues, il y en a peut-être que 100 000 qui ont vu que j'avais un tatouage. Mais vous contentez du tout le monde s'est Squeezie, après vous regardez plus, c'est ça? C'est ça qui... Putain, montrez. Putain, Squeezie a un tatouage, attends, barbe plus tatouage égale Squeezie a changé. Beaucoup changé. Et ouais, encore, t'as pas vu les muscles? Non, on va se contenter du tatouage et la barbe. Il s'est fait un tatouage sur le bras droit, c'est une araignée. Oh non, Jarod. C'est un crabe avec un chapeau. C'est quand même bien plus stylé qu'une araignée. Ok, je vais le faire effacer, je vais faire une araignée. Les couleurs du tatouage a changé. Alors ce qui a changé apparemment, c'est surtout la conjugaison française. C'est pas que les couleurs changent, c'est que déjà je suis en train de cicatriser, donc les couleurs vont devenir un peu plus fades, si je puis dire. Et surtout, vu qu'il fait beau, je mets de la crème solaire dessus pour le protéger. Ce qui fait qu'il est encore plus fade. Voilà, bientôt il disparaîtra carrément. Hashtag Squeezie. Oh putain, il a mis un hashtag avant de dire son truc, c'est que ça pèse. Hein. Tu t'es fait tatouer le bras? C'est nul, moi perso, je n'aime pas. Putain, mais il a raison, il est nul. Je le savais quand j'étais en train de faire tatouer, je me suis dit, il faut que je demande à Théo Morales ce qu'il en pense. Mais après, chacun ses goûts. Hein. Tu peux pas mettre c'est nul et chacun ses goûts dans la même phrase. Merci de me répondre. Non, mais là, tu m'achèves, Théo. Tu veux que je te réponde quoi? Tété nous dit, ouh, j'adore ton pseudo, Tété, dis donc. Au lieu de perdre votre temps ici, lisez des livres ou regardez des vidéos plus intéressantes. Ah non, merde, c'était pour une prochaine vidéo sur les commentaires haineux. Tété, putain, fais juste mettre tatouage dans ton commentaire et ça passait. Au lieu de perdre votre tatouage temps ici, là, je le lis. Je vous jure, en 2018, il y aura des gens qui diront, M, c'est toi aussi, t'as vu le tatouage de Squeezie. C'est ce que je me dis à chaque seconde qui passe depuis 4 jours. Ma vie est devenue un enfer. C'est totalement faux. En vrai, je m'en fous. Je n'accroche pas à son tatouage, je crois que je vais me désabonner car ce tatouage est vraiment. Bref. Oh, il est exaspéré, The Killer Boss 1. Désabonne-toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se trouve, c'est le même mec qui avait dit pour la barbe. Ah, j'aime. Ça te va pas la barbe, je me désabonne, ça dégage. Je crois que je vais arrêter de répondre aux gens qui parlent de son tatouage. Et c'est tout le boss, si t'es parti là-dessus. Arrête, il va falloir que je te prenne en CD, tellement il y en a. Kevin Head, c'est une bonne idée en effet. Attends, j'ai un abonné, c'est un moine, c'est incroyable. C'est bien, Estou, fais comme il te plaira. Tu es sur la bonne voie. Bon, j'avoue, j'avais qu'un costume de clown pour faire le moine. C'est. Ta vidéo est nulle comme toujours. Putain, encore un commentaire que j'ai mis dans le mauvais dossier. Squeezie, tu n'aimes pas les araignées, mais il sait un tatou d'araignée. Comment lui faire comprendre? C'est un crabe! Un crabe! Un crabe! Un crabe avec un chapeau! Un crabe! Voilà, ça c'est une technique utilisée en hypnose pour suggérer une idée discrètement dans la tête de quelqu'un. Comme ça, ils diront plus jamais araignée. Putain, il s'est fait une araignée T-Rex sur le bras. Wouah. Putain, là on est sur de la grosse araignée T-Rex quand même. Oh putain, y'en a même qu'on fait une vidéo sur cette connerie. Tout a commencé quand on a vu le vlog de Squeezie où il a fait un tatouage dans son bras droit. Oh, vous êtes donc des abonnés fidèles. Mais après avoir vu les vidéos qui suivent, on a remarqué que le tatouage de Squeezie n'était plus sur son bras droit, mais sur son bras gauche. Merde, hypocrite. Lucas, on a un problème. Quoi? Ils ont gagné que j'étais au clone parce que tu m'as fait le tatouage sur le mauvais bras en fait. T'es sérieux là? Ouais. Bah je vais te buter, ce sera réglé. Fais pas ça, Squeezie 2, non, tu fais pas ça. Ah. Bon, les amis, il est temps de mettre fin à toutes ces conneries. J'espère que ça vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Comme d'habitude, c'était la vidéo sur le putain de tatouage. Il fallait que je fasse une vidéo dessus, comme ça tout le monde est définitivement au courant et on n'en parle plus. On expédie ça comme on a expédié la barbe avant. En tout cas, sachez que mon frère a pu faire ses petites baignades au Caraïbes, qu'il est retourné à Medellin sur le tatouage. La photo. Je suis hyper content qu'on ait fait ça encore une fois. Et surtout, si certains d'entre vous veulent se faire tatouer, réfléchissez bien avant. Hein. C'est quand même pas à prendre à la légère. Voilà, c'est un tatouage que j'ai fait pour moi. De toute façon, quand on se fait tatouer, pour moi comme pour n'importe qui, c'est pour soi. On se fait tatouer quelque chose, soit qui symbolise quelque chose pour nous, soit qui symbolise rien, juste pour la beauté. Et moi j'aime bien l'esthétique et j'aime aussi le symbole qu'il y a derrière, donc je suis content. Voilà, il me plaît à moi, c'est le putain d'important. J'en ferai sûrement d'autres plus tard dans ma vie. Samedi prochain par exemple, pourquoi pas. Voilà, tout est dit, inutile d'en parler anymore. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle. Ciao tout le monde, peace.